Nous y revoici pour la partie 4. Ouf, alors nous venons de prôner la fin du monde. Ah, j'ai envie de tirer, voilà, il faut que je sur le... On a prôné la fin du monde, tout le monde est content, tout le monde est ici. On a récupéré l'ocarina, on s'est joué de la trompette. Voilà. Il y a un chien qui nous attaque toujours. On est bien content, et voilà, et ça ils ont toujours pas construit, quelle bande de flemmards. Non mais... Et donc, hop, on est fond. Ah oui, donc du coup j'ai perdu tous mes rubis, tous mes objets, tout sur l'ocarina, et je suis... Voilà, ça j'en suis à zéro. Ah. Allez, rentrons là-dedans. Donc là, nous allons parler au vendeur de masques afin qu'il nous récupère... Enfin, d'en récupérer notre forme originelle. As-tu récupéré l'objet précieux que le lutin t'a volé? Oh, oh, tu l'as, tu l'as, il l'a, vous m'entendez? Il l'a! Écoute-moi, joue cette mélodie que je vais t'interpréter et essaie de t'en souvenir. Le chant de l'apaisement. Allez go, sors la trompette. Voilà. Vous avez joué le chant de l'apaisement. Qu'est-ce qui se passe? Au revoir. Quoi c'est ça? Au revoir les beaux jours. Ouais, Link! C'est une chanson qui peut apaiser les âmes troublées et qui transforme les esprits en masques. Je suis sûr qu'elle te sera utile dans ta quête. Ah oui, je te donne ce masque pour survivre cette journée. Ne crains rien, car la magie a été scellée dans ce masque. Quand tu décideras de le mettre, tu te transformeras en la créature que tu étais. Si tu le retires, tu redeviendras normal. Cool! Cool les masques! Vous tenez le masque Mojo en souvenir. Appuyez sur Start et signez-le à nanananana dans le menu des masques. Portez le masque avec C pour vous transformer en Mojo et le menu C pour redevenir normal. Je viens de remplir ma part de petit marché. Alors maintenant, tu dois me donner l'objet que tu m'avais promis. LOL! On se casse! Ne me dis pas que... On se casse! Mon masque! Tu ne l'as pas récupéré. Hein? Ah! Qu'est-ce que tu m'as fait? Si tu laisses mon masque dans les mains de ce petit lutin, il va se passer des choses terribles ici! Le masque qui m'a été volé, on l'appelle le masque de Majora. C'est une sorte de relique ancestrale qu'une vieille tribu étrange utilisait pour accomplir un rituel de malédiction. On raconte qu'un pouvoir obscur et mauvais est accordé au porteur de ce masque. Selon la légende, le trouble que le masque de Majora a créé était si grand que les anciens craignaient qu'une telle catastrophe ne recommence décidèrent de sceller ce masque. Mais aujourd'hui, cette tribu a disparu et personne ne connaît vraiment la nature des pouvoirs de ce masque. Mais je peux sentir l'ombre qu'un terrible événement
Il y a un terrible événement qui arrive. J'ai fait beaucoup d'efforts et de concessions pour obtenir ce masque. Une fois que je l'ai eu, j'ai tout de suite ressenti les vibrations mauvaises qui en émanaient. Les vibrations ont hérissé les cheveux sur la tête. Et maintenant, c'est cette espèce de lutin qui l'a. T'emmerdes le lutin. Je suis pas un lutin. Ah non, il parle de son truc. Je t'en supplie, tu dois me ramener ce masque rapidement ou alors quelque chose de terrible va se produire. Je t'en supplie, s'il te plaît, je t'en prie. Vraiment, tu feras ça pour moi? J'étais sûr que tu dirais ça. Tout va bien se passer, je suis sûr que tu peux y arriver. Tu crois... tu dois croire en tes compétences, tu dois croire. Voilà. Non, c'est plus le malin, je suis Link. Alors, ce masque, aucun utilise la puissance du masque pour faire cette fausse bêtise. Bon, je crois qu'il faut que nous puissions quelque chose. Les barrières, la montagne, l'océan, le canyon dont elle me parlait. Je parie qu'il pensait aux quatre endroits en dehors de la ville. Il y en a un à chaque point terminal. Mais que voulait-il dire par les quatre qui attendent? J'en sais rien, j'oublie toujours ce qu'il y a de plus important. Je crois qu'il va falloir découvrir tout ça par nous-mêmes. Si nous passons par cette porte, nous serons en face du chemin qui mène au marais. Hop. On va dire bonjour à la grande fée. Oh, le hit-bull, ça tue le hit-bull activé. Vous sauvegardez votre progression et quittez ici. Quand vous choisissez mon fichier, votre visage apparaîtra. Non. Non. Voilà. Là, j'ai activé le premier. Ah ok, j'ai compris. Non. Non. Never be. Ah, faut que j'ai encore sauvé la fée ou... Ah, et du coup elle est encore morte la fée. Oh putain. J'ai pas doué celle-là. Putain mais non. Attention. Attention. Ouais, je l'ai eu. Ah, donc l'autre, ça a bien enregistré. Ah, lui. Masque. Et on passe à la cinématique. Là, ok. Grouillon. Voilà. Ok. Ok. Habit vert, fait blanche, messire, savez-vous par chance une fée des bois? Oh là là! Je m'appelle Kingle, je crois être comme vous, messire, une fée des bois. Hélas, bien que je sois âgé de 35 ans, aucune fée n'est encore venue me voir. Mon père me dit de grandir et d'agir en adulte responsable, mais pourquoi donc? Je vais vous dire, Kingle est l'absolue réincarnation d'une fée. Alors, pendant que je tiens là à attendre une fée, je vends des cartes pour aider mon père. Lénard, chanceux, tu as de la chance d'avoir une fée, je sais, nous devrions être amis, oui, oui. Et en échange, je te vends une carte à prix d'amis. Alors, achèteras-tu des cartes de Kingle? Je n'aime pas ça, Ruby. Merci, je vois, bon, tant pis. Je suis en mode magique, mais...
Oh non, elle est encore cassée. Ah, pourquoi elle a réparé? Voilà. Hop. Non, moi, c'est tout. Descends, lui. Aussi, on les garde pas. Ouais. Je me souviens, dans mes anciennes vidéos, j'étais directement parti pour le marais, là. Une grenouille. Ouais. Voilà. Si c'est avant qu'on me rappelle, il faut que vous en donnez, voilà. J'ai un peu en même temps. C'est verrouillé, mince. La dernière était très longue. Elle va me donner un autre pouvoir. Qu'est-ce que c'est? Allez, 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 un pouvoir. Salut Taya et salut à toi, gentil petit être. Merci d'avoir rendu à mon corps brisé sa forme originelle. Je suis la grande fée de la magie. Voilà tout ce que je peux t'offrir pour l'instant en gage de ma reconnaissance. Est-ce qu'il faudra revenir la voir à chaque fois qu'on a une nouvelle forme? Quoi? Bienvenue, bienveillant petit être. Il existe d'autres fées perdues au corps brisé comme moi. Elles se trouvent dans les quatre temples de ce monde. Trouve un moyen de les sauver et ramène-les à leur fontaine. Elles te récompenseront sûrement. Voici un objet utile. Ainsi les fées guerrées ne te craindront pas. Le masque des fées. Masque des grandes fées. Utilisez-le avec ses pour attirer les fées égarées. Si vous êtes à proximité d'une fée perdue dans un temple, le masque se mettra à scintiller. Viens à moi à chaque fois que la nécessité t'enverra. Ah ouais, donc c'est un détecteur de fées. Bonjour. Bonjour. Je suis tout le temps. Bonjour. 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 Et j'ai fait une attaque. Non, attends. Voilà, ok. On va faire le truc des moulins, maintenant. Voilà. Là, waouh, et mon pote, ceci toi, je peux te faire devenir membre de notre groupe, les Bowers.
Mais avant de devenir un membre de l'Overwatch, il faut passer une épreuve. Vas-y, va, tant pis. Allez. Très bien. Oh, les gars. Voilà, je me suis caché encore. Je vais trouver tous les 5 en demain matin. J'ai de nouveaux codes secrets, ok? Ouais, partez. Bon, s'ils sont toujours au même endroit. Techniquement, il y en a un là-bas. Ah, tu m'as attrapé, il m'a attendu 4. On fout ! Il en reste moins là, je devrais d'ici. Voilà. Ah, tu m'as attrapé, il en reste encore 3. J'ai une fée, wesh. On est, wesh. Oh mais t'as cru quoi, mais je suis une fée. Je suis une fée, ouais. Camouflage d'été, mec. Ouais, salut. Là, c'est pas lui. Ah oui, je cours toujours après. Je vais partir un peu, je suis gentil. Et quand bordel? J'ai une couille sur moi. Ah, tu m'as attrapé dans le compteur 2. Bienvenue, la caisse est là. Alors, on va jeter sur l'autre, au cas où. Ah, il est là-haut, je l'avais pas vu. Comment c'est? Ah, il est en train de prendre un. Il n'y a rien, je sais jamais où il est. Ah si, il est là. Bien. Voilà, hop. Et il est juste là. Voilà. Oh non, comment tu m'as vu? Wesh, ouais, comme ça, quoi. Tu as réussi, hein, c'est quoi ton nom? Dark, hein. D'accord, ce Squeaky est emprunt de règles, il a commis que des mauvaises actions avec dernièrement. Dès aujourd'hui, il est viré. Dark, je deviens toi un bombeur. Ça vous va, les gars? D'accord. Voici le journal des bombeurs. Il coûte une oreille, tu dois le lire en entier. Le journal des bombeurs, vous pouvez y inscrire les emplois du temps des habitants. Appuyez sur Start pour afficher les grandes quêtes, sélectionnez le journal et appuyez sur A. Du coup, des personnes qui ont des soucis rapportent leur nom et les portraits. 20 personnes passent dans le journal. Promets de les aider. Inscrire les promesses grâce aux fastidieuses promesses. Et ne jamais tenir les promesses. Est-ce que tu résous le problème de quelqu'un? Cela te rendra heureux. Et fastidieux cool sera ajouté à ton journal. Tu n'as pas le droit de retirer les documents. Utilise les pastilles promesses pour garder les traces de tous les gens malheureux jusqu'à ce que tout le monde soit content. N'oublie pas les règles. Bon, très bien, je vais t'apprendre le truc qui est prêt, donc je te connais. 2, 1, 3, 5, 4. 2, 1, 3, 5, 4. Dans le même. La société secrète de l'Europe, les gens du titre, les hommes et l'orphelin, et tout le tout a été ajouté dans le journal. On vous a dit le code secret, ça va être ajouté dans le journal. Je vais sortir l'ocarina. Ocarina magique.
attention. What the fuck? Voilà. On va passer encore, on va peut-être passer encore une journée. Merde. Ce magnifique visage qu'on va se quitter. Et donc voilà, donc c'est la partie glandouille où on a, où, enfin si on a récupéré quelques trucs, enfin bref, rien de trop intéressant pour l'histoire. Et je vous dis donc que on se retrouve pour la prochaine vidéo et à ciao, bonsoir.